Quatre individus vêtus de noir et casqués ont fait irruption peu avant 9h dans la galerie marchande du centre commercial Leclerc à la Seine. Ils ont pris pour cible la bijouterie du centre. Des témoins ont cru entendre des coups de feu tirés, mais selon la police, il s'agissait du bruit des coups de masse sur les vitrines de la bijouterie. Aucun impact de balle n'a été relevé. Les commerçants et employés de la galerie sont sous le choc. J'étais en caisse. Donc on a entendu des bruits de... Ils ont tiré dans les vitres de la bijouterie. Ils sont venus, ils étaient à peu près 4, habillés avec des casques. Tout le monde hurlait, tout le monde criait. Tout le monde était couché par terre et après ils sont partis. Ça a duré environ, ça me paraît tellement interminable, mais dans la durée ça doit être 5-10 minutes, pas plus. On avait peur qu'ils viennent et qu'ils nous tuent, quoi. Voilà. L'angoisse, c'était ça surtout, c'était de ne pas savoir, quoi. Et ça, c'était interminable, les gens hurlaient. Enfin, sur le moment, moi, j'ai pensé à prendre dans mes bras la caissière qui était par terre, qui était totalement, qui hurlait. Donc je lui ai dit de pas faire de bruit, de rester à terre et et que ça allait passer. J'ai gardé mon sang-froid. Et tout le monde était choqué, tout le monde, voilà. Quand ils sont partis, tout le monde s'est relevé et tout le monde pleurait, voilà.